samedi, le 14 mars 2009, malgré la mort de M. Alain Bachung, nous vous présentons quelques vidéos, dont celui-ci. CKRL demeure une radio où les artisans forgent depuis 35 ans un profil de diffusion novateur unique à Québec. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu pour... Hein? Soutenu. Ah ouais, mais ben là, après ça, c'est soutenu. Aussi nu que la soutane. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu. Prenons de gens animés. Fougueuse. Non, pourquoi je dis ça de même? Là? Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant d'un jeu animé, d'une flamme déchaînée, fougueuse et ardente pour une véritable ouverture pour les grandes élancées où la création voltige sur la tige émettrice. Devenir membre vous donne un accès vers la divergence, l'autre faction d'examiner le macrocosme, l'ultime manière humaniste hétéroclite de suivre un monde en changement, comme cette radio qui signe sous le couvercle du non-conformisme des émissions aussi différentes que singulières. Et tout ce que j'ai récité là, je ne l'ai pas lu. C'est du par cœur. Oh. Du par cœur. Charlie, par cœur, Charlie. Ah ouais, vas-y, mon Charlie. OK. C'est pas le même, ça. Bref, si vous appréciez ce... Pardon? Ben oui. Parce que là, je dois reprendre tout le temps que j'ai trop allongé en début d'émission. Bref, on est en retard. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je refais le lit. Comme d'habitude. Non, mais pour mieux ne pas le refaire, le lit, fais-le jamais. Si vous appréciez ce second regard, cet autre versant, restez sympathique. Restez sympathique, monsieur, madame. J'ai un auditeur qui m'a dit lundi. Il me raconte une histoire. Il me dit « Rénal ». En fait, il ne connaît pas mon prénom. Il dit « Hey, chose ». Oui, c'est moi, ça. Excuse-moi, là, mais je suis la chose la plus... Bon, oui, c'est ça. « Hey, chose, sais-tu que je me suis acheté un nouveau camion? Garde-moi ça, ce camion-là. Il est-tu, tu dis, il est-tu, il y en a. Il devrait changer ma prothèse. Il est-tu, je suis bon! » Il titube aussi. Mais c'est pas lui qui titube, c'est moi. Je suis tellement fatigué, mon champion. Hey, je travaille des 90 heures par jour. Ah, mais une journée, c'est 24 heures. Ben oui, c'est ça. Ah, ça n'a pas de bon sens, moi, là. Même à la fin de la journée, oui, j'ai une prolongation. Comme le hockey, là. Prolongation, puis je fais 90 heures par jour. Et 8 jours par semaine. Ah, ça va. Ouais, je suis tellement fatigué. Monsieur, regarde-moi le camion, monsieur. J'ai acheté un beau camion blanc avec des petits poils de bois de rouille. C'est à peine rouillé. C'est à peine rouillé, puis le vendeur m'a dit « Tu pars au pied », c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plancher, tu cours comme pierre à feu, les pierres à feu. Là, à un moment donné, tu mets ça sur le nœud, puis ça, c'est la première, puis tu cours, oh my God! Puis là, c'est ce que j'ai fait. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai demandé à ma femme, « Moi, regarde, penses-tu m'a couru? Voyons donc, les femmes, c'est fait pour ça, on se marie pas pour rien, voyons donc! » Et c'est la chaise qui vient de craquer, je pense que c'est la fin de la fête. Tiens à dire aux organisateurs de ces collègues, elle va très bien la chaise, OK? Achetez, dépliez pas d'argent pour ça, je vais la réparer. Ça fait que... Le gars part, mon ami, vois-tu pas, il conduit sur l'autoroute, puis là, il ouvre sa radio, il vient de l'acheter, il connaît pas rien, fait qu'il trouve le bouton, ça doit être une radio. Il écoute la radio, c'est samedi, il est 16h05, il arrive sur l'Iran rénadien. Fait que il dit hey, je connais ça ce gars-là, moi là! Hey, je connais ça ce gars-là, là, c'est le crotté, là, tu sais, l'extraterrestre qui travaille à côté, là! Voyons donc, comment il s'appelle? En tout cas, on va aller le voir! Il travaille quel? Il travaille dimanche, on va aller le voir dimanche! Mais là, comme il était minuit 2, c'était lundi, fait que là, c'est maintenant, fait que, hey, c'est-tu quoi? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, hey, c'est-tu quoi?
Non. Je t'ai entendu! Non, mais Jeanne d'Arc entendait des voix avant, mais on l'a brûlé, hein? C'est pas ça le même, là. Mais je t'ai entendu! Ben, c'est normal, je parle. Oh non! Oh non, je t'ai entendu à la radio! Ah?